J'espère que vous allez bien. Donc actuellement, Google est en train de déployer une toute nouvelle version de YouTube. Ce qui veut dire que si vous avez cette version, vous avez dû vous apercevoir de quelques modifications assez sympathiques. On ouvre YouTube. Lorsqu'on a ouvert YouTube, on a maintenant différentes choses qui ont réellement changé. Lorsqu'on lance la vidéo, par exemple, maintenant, les différents boutons qui ont changé de place, c'est le bouton. Voilà donc le bouton lecture automatique a changé de place et maintenant il s'est positionné au-dessus de la vidéo. Donc premier changement significatif. Deuxième changement significatif, le bouton casté qui a changé lui aussi de place. Mais pas que, puisque à côté de ce bouton casté, on va retrouver le bouton sous-titres. Tous ces boutons n'étaient pas du tout à cette position. Généralement, ils étaient sous la vidéo. Ils sont passés au-dessus de la vidéo. Donc, un gros changement significatif. Et pour cette autre option, qui est vraiment ultra sympathique, c'est le passage du mode plein écran et revenir en mode petit écran. C'est une nouvelle gestuelle que YouTube a mis en place et c'est vraiment génial. Vous lancez par exemple votre vidéo. Vous n'avez qu'à faire un petit geste en haut à gauche avec un doigt vers le haut et regardez ce qui se passe. La vidéo s'est tout de suite mise en mode plein écran. Et je refais ce geste exactement vers le bas maintenant. Et ma vidéo se met ici en plein écran. Et ici, elle se remet en mode petit écran. Dites-moi ce que vous pensez de ce petit geste super sympathique. Franchement, c'est ultra génial cette nouvelle gestuelle. C'est vraiment cool. Voilà comment ça se passe avec YouTube. Dernière petite nouveauté. Vous allez donc sur l'écran de YouTube. Vous allez tout en haut à droite sur votre compte. Vous ouvrez. Vous allez chercher paramètres. Vous dirigez donc sur paramètres. Et vous ouvrez tout de suite. Une fois que vous êtes entré dans paramètres, vous allez voir une nouvelle option apparaître qui s'appelle « Me prévenir lorsqu'il est l'heure de me coucher ». Ce qui veut dire que vous pouvez mettre une alerte si vous êtes quelqu'un qui traînait un peu trop sur YouTube. Vous pouvez positionner une alerte et avoir cette alerte au moment du coucher. Et ça, c'est vraiment cool. On ouvre. Et là, regardez, on peut tout simplement mettre une alerte à l'heure où vous voulez que YouTube vous prévienne d'aller vous coucher. Et maintenant, vous allez pouvoir faire apparaître les chapitres dans la vidéo et pouvoir sauter de chapitre en chapitre pour éviter de regarder toute la vidéo. Voilà donc pour ces petites astuces YouTube très sympathiques, cette nouvelle version que je viens tout juste d'avoir sur mon iPhone. Dites-moi si vous l'avez déjà eu de votre côté. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Test et Astuces. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine. Salut à tous et joyeux Halloween.